Bonjour à tous, nous voici donc de retour avec le GG Europa de Gier Bleu pour une seconde session sans d'entraînement anti-horaire cette fois-ci. Alors je m'étais peut-être un peu avancé en disant qu'il était plus facile dans ce sens-là. Donc utilisation d'un entraîneur un peu plus gros mais qui se cale bien dans l'élève. Et je commence avec le dos du pic pour commencer les premiers placements hein, qui sont sinon un peu difficiles à obtenir. Donc on gagne un petit peu de temps, dès qu'on a un clic c'est bon, on repasse en crochetage classique. Donc recherche de la goupille dure comme d'habitude. L'entraînement est toujours léger. Alors vraiment là c'est important, l'entraînement sur ce cylindre il faut vraiment qu'il soit très léger. Donc là j'avais des problèmes pour les premiers placements, retour avec le dos du pic, hein, ça améliore les choses, hein, ça va plus vite quand même. Là maintenant j'ai un bon durcissement, alors il faut trouver celle qui va se placer. Alors la cinquième est vachement haute, j'ai même du mal à passer le pic, donc j'y vais doucement, voilà, j'ai eu un clic, j'espère que j'ai pas été trop loin. Voilà, c'était la quatrième. Alors, comme je disais dans la première partie, hein, les placements se font petit à petit sur chaque goupille, hein, des cératites certainement. La cinquième a l'air pas mal, la quatrième on s'en ressort c'est bon, la troisième, deuxième aussi. Alors le problème c'est qu'on s'en ressort mais elles ne sont pas tout à fait en place. Hein. Donc la cinquième, je la titille doucement parce que comme elle est à placer très haute, si on descend un poil trop bas, c'est mort. Après, on a une qui ne peut pas y être encore tout à fait. Quatrième, troisième, deuxième. Alors les petits clics, il y a des petites remontées, hein, à mon avis, il doit y avoir des petits chanfreins en bout, les goupilles. Hein. C'est justement ce qui explique que là, elles sont presque toutes placées, mais ça ouvre pas. Donc là, on relâche la pression et on titille doucement toutes les goupilles. Voilà, là, faut pas s'énerver, il faut vraiment y aller doucement, et c'est le plus têtu qui gagne. Et voilà. C'est qui le plus têtu ?